Madame Piquion, merci d'être avec nous. Vous êtes avec M. Porticop et vous êtes chargé à Cap Excellence d'aider le soutien aux filières innovantes. Le miel, c'est une filière innovante? Oui, bonjour d'abord à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Effectivement, cette belle manifestation intitulée Capiculture a été initiée par Cap Excellence, bien sûr, en étroite collaboration avec la ville de Bemao et l'association des apiculteurs représentés par M. Porticop ici présent. Oui, cette démarche rentre dans la stratégie de développement durable et c'est là déjà la base de l'innovation qui demande une prise de conscience à tous les niveaux dans l'intérêt des espaces agricoles pour une alimentation de qualité. Vous me demandez, Monsieur Zandronis, si c'est une démarche novatrice. Elle n'est pas novatrice, mais elle doit l'être plus que jamais. Et si vous voulez, depuis la nuit des temps, le miel a toujours été apprécié de tous. Hein. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'au fil du temps, ce miel-là, il est fabriqué par les abeilles, il est transformé, et c'est dans ce sens-là que vous retrouverez l'innovation. L'innovation à travers l'agrotransformation, bien puisque sûr. C'est un produit de l'agriculture, de l'agrotransformation et finalement de l'innovation. Parfait. Alors, M. Porticop, merci d'être avec nous. Avant de parler de la manifestation de l'apiculture, on va parler un petit peu de la situation des apiculteurs et du miel en Guadeloupe. Quelle est la situation aujourd'hui? Bien bonjour, merci de nous avoir reçus ce midi. Et merci à Cap Excellence d'avoir initié ce projet autour de la filière apicole. La situation du miel en Guadeloupe et des apiculteurs, elle est particulière dans la mesure que, nous sommes concernés par l'évolution climatique et nous sommes concernés par les phénomènes environnementaux et nous sommes aussi concernés par les gestes des hommes sur la nature. Ça veut dire que, par exemple, j'étais en réunion hier soir avec les différents membres de notre association. Nous faisons des projections en disant que si la Guadeloupe continue comme ça, dans une quinzaine d'années, il n'y aura pas de miel. Pourquoi il n'y aura pas de miel ou bien il n'y aura pas d'abeilles? Il n'y aura pas d'abeilles, il n'y aura pas de miel. Mais pas forcément du miel de la Guadeloupe. Il y aura du miel importé. Voilà. Pourquoi? Parce que nous constatons, au-delà de l'évolution du phénomène climatique, nous avons des comportements tant individuels ou des comportements des citoyens ou des comportements par rapport aux collectivités qui entreprennent du déboisement. Ça fait que, les abeilles n'ont pas d'espace pour avoir leurs ressources. Et quand les abeilles n'ont pas d'espace pour avoir leurs ressources, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de miel et les maladies commencent à se développer par rapport à ce domaine-là, cette démarche-là. Ce qui fait que si ça continue comme ça, l'avenir n'est pas rose. Mais heureusement que nous avons des manifestations comme Capiculture qui nous permet de rencontrer les différents décideurs et qui nous permet aussi de rencontrer les différents apiculteurs et qui nous permet de tirer la sonnette d'alarme pour repartir de plus belle. Parce qu'il y a encore une solution? Ah si, il y a toujours des solutions. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a des solutions. Mais là maintenant, plus que jamais de ce 21e siècle, nous devions faire appel à la concertation et à la responsabilité de tout un chacun. Au niveau individuel, c'est-à-dire que moi qui achète des produits pour traiter mes plantes, des produits phytosanitaires, au niveau des décideurs qui, pour des raisons économiques et sociales, font de grands projets, mais oublient qu'ils sont en train de déboiser, et on fait des routes parce qu'on parle de problèmes d'embouteillage, d'accidents. Beaucoup de routes sont construites, mais c'est encore des espaces de nourrissement des abeilles qui partent. Il y a aussi d'autres actions économiques. Par exemple, maintenant, le gaz augmente. Il y a une activité qui se développe, c'est la fabrication de charbon. Oui. Il y a des hectares et des hectares de surette, de campèche, qui sont coupés pour faire du charbon. Si c'était coupé de la manière ancienne, oui, c'est-à-dire on coupe pour que l'arbre puisse repousser, oui, mais maintenant on coupe de telle manière que la racine aussi est arrachée et l'arbre ne repousse pas, oui, donc on ne pense pas à demain. C'est pour ça que je vous dis que l'avenir n'est pas rose, mais comme nous tirons le signal d'alarme, nous travaillons avec différents partenaires, je pense qu'il y a toujours de l'espoir.
Monsieur Madame Piquion, il y a une cellule de développement durable à Cap Excellence. Tout à fait. Madame Top, que je connais bien. Alors, est-ce qu'il ne va falloir pas qu'on tire plus que lâcher Mme d'alarme, d'après ce qu'il dit? Je suis tout à fait en phase avec Monsieur Portecop. Et la sonnette d'alarme, à mon sens, elle est déjà tirée, puisque Cap Excellence a quand même une cellule de développement durable. BMAO, la même chose. Donc, c'est un projet sur lequel nous sommes très, très concernés. Et je veux dire qu'il y a urgence à sensibiliser toutes les parties prenantes. Et en même temps, pour moi, ça devrait commencer à l'école, qu'on protège les abeilles, qu'on protège notre environnement. Et justement, dans le cadre de la problématique foncière, on devrait libérer plus de fonciers pour trouver des espaces suffisants afin de mener à bien le développement du miel dans toutes ses facettes, dans toute sa biodiversité, et en faire des métiers, puisque finalement, quand on parle de production de miel, quand on parle d'agrotransformation, eh bien naturellement, on parle d'économie. Et l'économie, c'est quoi ? Générer de la richesse pour créer des emplois. Oui. Alors justement, c'est pour cela que le vendredi 2 décembre, après-demain, il va avoir une table ronde sur l'avenir de l'apiculture guadeloupéenne qui sera très animée, puisque nous avons les responsables de la filière agricole, Cap Excellence bien entendu, l'interprofession de l'élevage et de la viande, la Chambre d'agriculture, le Conseil régional départemental, les EPCI, l'ONF, le Parc national et la DAF, et tous les spécialistes de la filière apicole. Et c'est justement pour cela que, comme l'a dit M. Portecop, nous allons tenter d'en débattre très sérieusement, de prendre des mesures qu'on devra appliquer dans les meilleurs délais si on veut protéger l'avenir du miel et de différents métiers, parce que c'est une vraie filière qui a un intérêt majeur sur en tant que santé, en tant que goût, utilisation dans les desserts, dans l'alimentation, sur les cataplasmes, et puis qui a de nombreuses vertus, hein, antioxydantes, apaisantes, et j'en passe. Et c'est un produit sur lequel, d'ailleurs, la Guadeloupe a déjà eu de nombreuses médailles, des prix, notamment au Salon de l'agriculture. Et c'est cela qu'il ne faut pas perdre, cette filière du miel à développer. Avec nos jeunes, je pense qu'il y a un travail très important à faire au niveau du lycée agricole. Et puis de formation, d'information et de prise de responsabilité et de protection de la nature, comme l'a dit M. Portecop, et du développement de nos abeilles sur notre territoire. Alors justement, M. Portecop, est-ce que en termes de production, les apiculteurs guadeloupéens produisent suffisamment pour la consommation guadeloupéenne aujourd'hui? Non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire, il y a une quinzaine d'années, nous produisions 30 kilos de miel à la ruche. Oui. Maintenant, les dernières évaluations donnent maintenant 15 kilos de miel à la ruche. 50% de moins. 50% de moins. Ah ouais. Et, ce serait pas paradoxal, au niveau de l'apiculture, nous faisons de la formation, nous installons des apiculteurs, il y a des apiculteurs professionnels, il y a des apiculteurs amateurs. Le problème, parce que bon, nous ne nous contentons pas de dire cela, nous menons des actions, parce que nous menons des actions au niveau des associations avec les scolaires, au niveau des primaires, des collèges, nous faisons la sensibilisation des enfants pour que ces enfants-là même puissent sensibiliser leurs parents, nous faisons des actions à travers les associations de quartier, parce qu'il faut aussi de la proximité, ça nous le faisons. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire que bon, vous avez bien de votre projet d'avoir 200 ruches, mais s'il n'y a pas l'espace, la biodiversité, 200 ruches qui restent en mer, et ces abeilles-là, puis ils peuvent quoi butiner, puis ils peuvent faire miel. Ouais. Et ça, le même. L'aspect, nous perdons des milliers d'hectares chaque année en Guadeloupe. Un millier à peu près. Donc, quand on regarde la quantité de surface boisée que nous perdons, ça, le calcul est vite fait. Oui. Donc, à contrario, des pays de la Caraïbe qui sont autour de nous produisent plus de miel parce que bon, ils sont des projets politiques. Bon, ben, on ne coupe pas un arbre comme ça. Bon, ben, la nature est entretenue, quoi. Donc, ça veut dire que, ça veut dire qu'il faut
les politiques et les administrations décider, mettons en haut là dans ça. C'est-à-dire, en pays, mettez balla si doit les politiques et les administrations, à qui mettez balla si doit tout le monde, nous tous, nous tous concernés. Les Guadeloupéens, quoi. Nous tous concernés. Quoi, regardez qui dernier monde dans l'entourage qui font. Arrêtez de couper pied bois, inutilement. Regardez qui sont piscines, fait, et quand on est dans la piscine là, même planter un pied orange, et même pour planter un pied citron, puis faire un coup bouillon poisson des mains. Ouais. Donc, c'est tout le monde, non pas les politiques, c'est tout le monde qui est concerné par rapport au déboisement. Il y a un déboisement anarchique qui se fait. Ouais. Il se fait dans certaines régions, comme par exemple dans le nord, ou dans la côte Solvant, ou quand on entre dans des forêts, ou quand on peut déboiser des hectares. Ouais, et c'est des terrains agricoles. Donc ça, c'est le citoyen. Ouais. Pas obligé de mettre un politique ou un policier derrière pour dire, bon, ça, on va faire là, penser à demain. Ouais. Penser à Timon demain. Donc, c'est pour ça. C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité des citoyens. C'est pour ça que nous avons fait des manifestations comme ça. Nous avons fait un parti pour les professionnels. Oui. Comme par exemple, notre deuxième parti, ouvert au tout public. Et là, nous avons parlé, nous avons fait des conférences. Oui. Donc, nous toujours notre travail de sensibilisation. Mais c'est vrai que c'est une situation difficile, mais tout n'est pas perdu. Oui, bon, heureusement. Alors, donc, le 2 table ronde, le 3 décembre, le miel en fête. Le miel en fête. Oui. Et avec tout le public. J'espère que le maximum de Guadeloupéens viendront à notre manifestation, puisqu'il y aura un certain nombre d'ateliers, notamment le miel dans la cuisine, puisqu'on peut associer le miel à certains plats culinaires. Et il y aura de jeunes cuisiniers en insertion qui proposeront des plats, donc à base de miel, et vous les feront déguster dans le cadre de cet atelier, et vous pourrez déguster et en acheter. Ensuite, d'accord, vous avez une vente et dégustation des miels et des produits de la ruche. Ça peut être du pollen, de la propolis. Je pense qu'il y aura aussi de la gelée royale. Et il y aura donc une vente et dégustation de tous ces produits dérivés de la ruche avec des ventes. Et puis nous allons voir hein, les apiculteurs qui ont été médaillés, puisque nous-mêmes, on a pris la chose extrêmement sérieusement, puisque nous avons... Demain matin, nous aurons une séance de dégustation de miel à l'aveugle pour sélectionner les meilleurs miels et finalement attribuer un prix à celui que nous estimons être le meilleur. Comme ce sera à l'aveugle, on ne saura pas le miel de qui c'est. Mais c'est uniquement du miel Guadeloupe. Ah, oui, oui, évidemment, oui, monsieur Zandronis. Oui, oui. On est là pour parler du miel de la Guadeloupe. Mais oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'importations de miel parce que nous avons un défaut. Oui. Et c'est ça qui est important, qu'autour de cette table ronde de vendredi, que nous en débattions et que nous prenions des vraies mesures à appliquer. Oui. Et puis aussi, je dirais, peut-être faire un peu plus de pédagogie dans c'est les ça. Écoles, auprès du public, auprès du citoyen lambda, et puis qui prennent leurs responsabilités, qui se disent, c'est notre pays, c'est notre foncier, c'est notre environnement, notre biodiversité, nous devons protéger tout cela, et nous devons par là même protéger les abeilles, et mettre un accent particulier sur la formation de la filière qui est pluridisciplinaire. Tout à fait. Il faut écouter justement... sur la filière aujourd'hui, bon, il y a le miel traditionnel, mais il y a autre chose à côté maintenant. Ah, si, tout à fait. Et c'est pour ça que samedi matin, c'est un moment important pour nous. Et c'est pour ça que nous disons à tous ceux et celles qui peuvent venir samedi toute la journée. Ouais. Parce que bon, c'est ce moment d'échange qu'il y aura avec les apiculteurs et les différents organisateurs du miel en Guadeloupe. C'est que nous ne parlons pas seulement pour notre chapelle, nous parlons aussi pour les pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques, il y a aussi des guêpes, des vauvons, ce sont les pollinisateurs qui seront en danger. Mais ce qu'il y a de beau, c'est-à-dire que bon, c'est une branche qui ne se consacre pas uniquement à la production de miel, le produit sucré, il y a énormément de produits qu'on peut faire. De sous-produits à partir du miel. De sous-produits de la ruche. Oui. Et ce qu'il y a de beau, parce que c'est une filière d'avenir, si nous prenons les taureaux par les cornes, il y a beaucoup de jeunes diplômés de différentes écoles, écoles américaines et écoles européennes, qui font des produits en apithérapie, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit des produits pour le soin du corps. Oui. Ça existe, nous avons cette ressource humaine. Mais ce qu'il faut, c'est que maintenant, c'est que bon, leur donner la matière. Il faut fournir les abeilles. Voilà, c'est leur donner la matière première. Et nous, apiculteurs, bon, nos apiculteurs sont formés, il n'y a pas de souci, nous faisons de la formation. Et c'est pour ça, le vendredi après-midi, il y aura le chef des vétérinaires de la France qui vient faire une intervention pour nous sur la biosurveillance, la biosécurité. Cela veut dire que le miel, c'est un produit alimentaire, ça ne se produit pas
n'importe comment. Nous avons aussi des normes à respecter. Et même dans le concours dont nous allons promulguer le résultat samedi matin, ce sont des mérites qui ont déjà été analysés par un laboratoire national. D'accord. Et ensuite, par rapport aux résultats, les mérites sont sélectionnés. Donc, ça veut dire que tout se fait dans les conditions, dans les règles de l'art. Alors, M. Portico, je vais quand même poser une question pratique. Ouais. Miel à Pigé-Pied-Bois, qui met là dans le tout? Non, au sens bien, une seule question que vous avez posé nous tout le temps. Moi, c'est Tanda Kayou. Tout le temps, au sens bien, on m'a dit que Dieu est Tanda Kayou, on m'a dit que Tanda Kayou, on m'a dit que Dieu est Campèche, on m'a pas si gosier que Dieu comme maman pour. Mais tout miel bon. Tout miel bon. C'est ça, vous avez fait tout miel bon. Après, c'est ça qui est bien que c'est une question secteur d'avenir. Nous, quand il lancé, nous avons un nom capable de préparer un doctorat sur les bienfaits du miel. C'est-à-dire que dans deux ans, ouais. nous sommes capables de dire, miel a tel pied bois, tel pied bois, tel flé, il est bon pour ci, bon pour ça. Ouais. Là, à présent, bon, nous avons fait ça d'une manière empirique, qui fait que bon, nous avons dit ça. Mais chaque fois, nous avons des analyses qu'elle nous fait. Nous trouvons pas si les miels foncés, pas si les miels de montagne, ionis l'autant plus antioxydants, qui c'est un homme. Là, c'est des analyses scientifiques. C'est par rapport à ces pieds-bois, là, c'est ça? C'est par rapport à flé, là, yobutiné, là. L'environnement. Oui, l'environnement. C'est ça. Donc, alors, il y a là, en ce moment, deux batailles. Il y a la bataille de l'environnement, de l'écosystème la biodiversité, la prise de conscience citoyenne, si vous voulez, arrêter de couper pieds-bois n'importe qui. Et puis le développement de la filière. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut. C'est lié de toute façon. Tout est lié parce que nous sommes les sentinelles. Nous voyons arriver les choses parce que nous voyons arriver les intempéries. Oui. Nous savons que, par exemple, cette année a commencé avec beaucoup de sécheresse. Oui. Donc nous avons eu très peu de miel parce que les arbres n'ont pas d'hectarifié. Oui. On sait que nous allons vers une catastrophe. L'apiculteur en lui-même. Oui. C'est quand même c'est un petit peu le baromètre de l'environnement. Ouais, ouais, c'est un petit peu, il voit la nature et c'est ce qui va voilà, se passer. Voilà, il vit dans la nature comme beaucoup d'autres, mais c'est pour ça qu'on interpelle sur les pollinisateurs. Oui. Nous pas vrai guêpe qu'on va voir, c'est parce que guêpe là font d'autres chimères. Mais qui voit la guêpe là par rapport à miel, à abeilles là, par rapport à miel là? Non, où ça m'habitait, ni différents pieds-bois, et toutes ces, à part ces abeilles-là qui a ici tout pieds-bois, non, certains flets. Que, par exemple, on y ces vovons là qui a butiné, qui a permis la fécondation là, ni d'autres flés, ces foufous là qui sont entrés par rapport à longueur avec nous misons toutes ces pollinisateurs là. C'est pour ça qu'on a dit bon, mais son secteur qui est exaltant, qui est bon et qui a touché à tous les domaines. D'accord. Donc, si vous voulez nous continuer, fait travail là, quand on commence là avec les autres acteurs dans le monde agricole, dans le monde politique et dans les associations de proximité, l'avenir, la Guadeloupe sera un pays phare dans la production de miel. Parce que le miel de la Guadeloupe est déjà assez très de bon niveau, apparemment. Parce que j'ai un ami qui a eu des prix en France. Le miel pas de bon niveau, là. Le miel de la Guadeloupe de très haut niveau, excellent niveau. Voilà. Non, pas dans le cadre de la salle, mais c'est là, non. Et c'est là. D'accord. Non, mais je sais qu'il y a eu des prix en France à des manifestations. Salon de l'agriculture. Il y a eu des prix pour le miel de la Guadeloupe. Donc. Madame Cap-Excellence, il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est un travail qui est très bien entrepris. Et nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur la pédagogie. Oui. Et l'intérêt qu'il y a à développer cette filière pour créer de l'activité et de l'emploi. Et je pense que tout le monde doit être conscient de cet état de choses, puisque l'état des lieux sera encore reprécisé vendredi. Et puis, il y aura une conférence donnée aussi par une naturopathe qui nous donnera les bienfaits qui nous donnera les bienfaits du miel sur la santé, parce que quand on sait qu'au niveau de la santé il y a énormément d'intérêts en usage externe, en usage externe, je veux dire que ça n'est pas seulement pour le petit grog quand on est grippé, non, c'est que ça va très loin et je pense qu'il y a lieu d'en faire de vrais métiers à partir d'une vraie formation et surtout la conscience, l'hygiène, le côté sanitaire, la formation, de manière que les jeunes en fassent de véritables la protection de la nature. Alors, on prend rendez-vous donc samedi toute la matin, journée. Le 3 décembre, de 9h à 17h. Ça se passe où? À Bémao, à la place Childéric Trinqueur, en face de la mairie. Oui. Avec tous les différents ateliers, les enfants pourront venir aussi, parce qu'il y aura une certaine pédagogie avec les enfants. Ils pourront savoir vraiment ce que c'est que le miel, comment l'utiliser, et faire des petits plats avec les cuisiniers qui seront sur place.
Et puis, il y aura une remise de médailles, une dégustation et vente des miels médaillés. Donc, voilà. Il est intéressant de soutenir les apiculteurs, les pollinisateurs et le miel Guadeloupe avec Cap Excellence, la ville de Bemao, l'association des apiculteurs de Guadeloupe. Merci en tout cas, Madame Piquion. Merci, M. Porticop. Et puis, bon miel. Merci beaucoup. Merci. Ouais, à bientôt.